Allô tout le monde, voici Champion MMZ. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Aujourd'hui, c'est le spécial Noël. Et oui, parce qu'aujourd'hui, nous sommes Noël. Pour ce spécial Noël, nous avons ce sapin de Noël. Si vous voulez voir trois générations, 3 années de suite de Noël, vous aurez la chance en regardant. Ok, finalement on peut pas d'ici. Au moins j'aurais essayé. Bon, mon village est détruit, mais je m'en fous. 1, 2 et 3. Ceci, c'est les trois générations. Lui en premier. Lui ensuite, et lui qui est nouveau, qui est le dernier. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Sachez que maintenant, depuis la mise à jour, j'ai de la misère à attaquer, à trouver plutôt un bon village. Mais depuis la mise à jour, il y a des jeux de clans. Et ces jeux de clans, en ce moment, on a tout ça. Ça, c'est des défis qu'il faut réaliser. Ça, c'est tous les joueurs qui participent et les récompenses qui est par palier. Ah, mettons, si moi je réussis à obtenir tous les points nécessaires tout seul, avec mes deux villages, je pourrais atteindre le deuxième palier. Je vais prendre les gemmes. Bien évidemment. Parce que l'argent, j'en ai quand même pas mal. Puis j'en ai encore d'autres à récupérer. En plus. C'est pas magnifique. Avec l'élixir, je vais améliorer le mineur qui est juste ici. Qui est à 7 millions d'élixirs. Mais là, attaquons dans ce village. Puis, attaquons. Ah, j'ai un nouveau record en plus. C'est vrai. Voici mon nouveau record de 1948. Un peu plus. Level 3000 pour l'équivalent de Master 1. Et voilà. Oh, mon archer est terminé. Yeah! C'est le fun, ça. Aujourd'hui, vu que nous sommes le 25 décembre, j'ai fait cette vidéo-là. Bah, je voulais faire attendre pour le spécial, comme à chaque année, le spécial Noël de Clash of Clans à Noël cette année. Simplement parce que ça me tentait pas trop de faire de vidéos, honnêtement. Puis me préparer tout. Puis j'ai décidé de tout simplement faire la vidéo comme ceci, en incluant avec Clash of Clans. De toute façon, c'est quand même correct parce que même si c'est avec Clash of Clans, c'est quand même un spécial Noël, vu que il y a eu plein de nouveautés. Ça c'est vrai. Tellement une nouveauté que j'ai c'est rendu que j'ai de la misère à trouver un bon village. Il me propose des cristals et tout. Tant que ça, je me dis quasiment au chemin de retourner en master puis revenir par la suite.
Vu qu'il n'y a pas les trois petits points, probablement l'autre joueur a terminé. C'est moi qui gagne. Comme si rien n'était là. Bon, c'est vrai, j'avais amélioré mon géant. Qui va aller au niveau 1. J'ai deux troupes au maximum. Après le géant au maximum, qu'est-ce que je vais faire? Je vais améliorer la sorcière. C'est comme ça qu'on. Sorcière de la nuit. La différence, c'est la sorcière de la nuit. Et non une sorcière. Nous allons attaquer, nous allons rusher tout simplement. Là, oh. Ah, c'est terminé, c'est vrai. J'ai amélioré ceci, je vais améliorer. Vu que je m'en fous, il y a rien un peu. Améliorons ceci. Comme ça va être fait. Je vais améliorer pas mal de tout moins cher ou plus cher. Mégamine. T'aurais pu me le proposer avant. Mais c'est pas grave. À un moment donné, ça va être aussi. La machine de combat que je vais améliorer. Quand ça, à un moment donné, il faudra que je l'améliore. Je veux pas. On s'entend. Attention à ça, sauf les broyeurs, c'est ce qui font le plus mal. Ce qui fait le plus mal, c'est les broyeurs. Faut faire très attention, mais être très prudent avec les broyeurs. Bon, l'autre broyeur est en amélioration, c'est parfait, c'est tellement parfait. Parfait que mes géants survivent parce que les géants là, face au broyeur, ça fait mal. J'ai une chance d'avoir un 100%. Ben oui, j'ai une chance. Mon Dieu. Ok. Tu trouves ça puis j'ai 100%? Hein? C'est stupide. Même la machine de combat est stupide. Bon, 100%! Bon, c'est pas ça d'avoir 100%. Honnêtement. On attend, je me plaindrai pas. Voilà. Et c'est une victoire. Si l'autre avait eu 100%, là ça aurait été une égalité. Mais là c'est une victoire. Continuons pour ce si bel lancer. Pour la dernière étoile. Après ça, on va attaquer le village normal là. Exactement n'importe comment. Ça me tentait. Puis le canon géant là, il fait tellement mal. Mais vraiment mal. Broyeur aussi fait mal. Surtout que. Mais le pire, c'est vraiment le canon géant qui fait vraiment mal. C'est ce que j'essaie de détruire en premier, c'est vraiment le canon géant. Pour ça, je m'en fous, j'ai mal attaqué ça aussi. Mais la première chose que j'essaie d'attaquer, si vous voulez savoir ma stratégie, c'est que j'attaque le canon géant parce que c'est ça qui fait le plus mal. Si on va voir dans les informations, portée, de son.
9 cases. Le portrait 9 cases, c'est de détection. Pour le tir. Le tir, on s'entend que. Tant qu'une troupe est sur sa trajectoire, il pogne. Cible unique, seule. Cible préférée. Ah, il a changé par hasard? Il n'y a pas d'obstacle qui tienne face au canon géant. Ces énormes boulets détruisent tout sur leur passage et ne s'arrêtent jamais. Du moins, oui, il va s'arrêter un jour, mais après le village. Me semble avoir ça, c'était. Veux pas, je l'aurais pas eu. 100%. Je fais un 100% avec l'autre, puis celui-là, cette fois-ci, c'est lui qui fait un 100%. Bon, c'est pas plus grave que ça. Voilà. Ça me semble, les cibles préférées, c'était lui. On dirait que ça a peut-être changé. On sait jamais. Voyez comment les broyeurs font mal et tuent les barbares d'un coup. Ça aussi, c'est une affaire que je fais attention. Tout comme les mortiers aussi. Parce que les mortiers, on s'entend. Multi-mortiers dans ce que c'est. Ils font mal. Quand t'as d'un coup, ça fait mal. Ça aussi, ça fait mal. Mais c'est moins pire. Ça fait tout mal, finalement. Mais le pire, c'est vraiment le canon géant qui est le pire. Ensuite. Ceux qui peuvent faire mal, puis ceux aussi qui peuvent faire mal. Ces deux-là, lui c'est le pire. Ensuite lui, ça c'est tout ce qui est à distance. À portée, c'est sur celui-là. Lui fait mal, mais ça dépend. Ça dépend des troupes. Comme la machine de combat, oui, ça fait mal quand même, mais c'est pas si pire. Le canon géant, par contre, ça il fait mal. Broyeur a fait mal. Tu sais, quand on est obligé d'attendre, ça peut passer le temps. Quand on fait un rush. C'est long. Qu'est-ce que vous voulez? Pour une défaite considérable. Puis une dernière attaque, probablement. C'est-à-dire que je réfléchis pas. Énormément. Je cherchais mes affaires puis j'y vais comme ça à l'instinct. Je sais, vous vous dites peut-être, il n'est pas la meilleure stratégie, il faut réfléchir tout ça. Moi, je m'en fous, moi. Moi, j'y vais. Je vais comme ça. C'est tout. J'ai réfléchi, je fais juste regarder où sont les affaires. C'est tout. Ça aussi, ça fait mal, quand même. Ce que j'aime pas des fois la machine de combat, c'est pas la première fois qu'elle fait ça. De peu. Elle fait ça des fois, elle sait même pas où elle est. Comme perdu, on dirait qu'elle est mal codée d'une certaine façon. Non, allez, non, 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 elle est là à la place. C'est ça, juste pour faire le contraire là. Il restait juste un coup de un coup de même pour l'avoir. Je l'aurais pas eu. Pour ça que je veux m'améliorer au maximum parce que ça m'énerve que je me fais attaquer 100%.
comme cela. Voulez-vous voir les résultats? Tout ce correct. 44. Faut regarder ça. Malheureusement, il faut regarder ça. Le truc, c'est l'envoyer le plus loin possible pour que les chauves-souris fassent le travail. C'est simple. Jacques aérien, ça me... je m'en foutais, hein. Voilà que ça me donnait aérien. Un beau 100% que je me suis fait faire. Voilà que ça fait. Mais que tu poses capable de me reprendre. Ça va aller mieux avec ça. On s'entend. Yes. Parfait. Moi, quand que le canon géant est plus haut, moi je... Ah oh, oui, parce que ça c'est plus important, c'est vraiment la machine de combo, on s'entend. Sans la machine de combo, ça c'est... C'est mal foutu. Parce que c'est ça que, qui aide pour les archers. C'est vraiment très utile. Hey, j'ai des chances 100 d'avoir 100%. Bon, j'ai des chances. J'ai plutôt 100%. Les chances que je le manque ici, en mince. Il reste juste une machine de combat, pis c'est tout. Pas grave, j'ai 100%. Ça serait pas drôle que l'autre aussi à 100%. Ah, ok. Ça fait juste me perdre du temps, pis c'est tout. De toute façon, je l'ai. Veux pas. Tout est restauré à 100%. Et voilà, c'est terminé. L'adversaire est en train d'attaquer. Bonne chance s'il est capable de faire plus que moi. Impossible c'est de faire plus que moi. C'est impossible. Il peut juste faire égal à moi. Regardons le combat. La différence par contre, lui il l'aura pas. Et voilà. C'est terminé. Oh, de toute façon, il s'est terminé. Le temps. Il aurait perdu avec manque de temps de toute façon. Et c'est une victoire. Une si belle victoire pour terminer. Parce que quand je me fais faire des 100%. Regardons ceci. Le premier, mon 95, presque 100, lui 58. 100%. Lui le bas, lui est 100%. Lui le bas, 100%, puis moi je m'en reprends. En gros, c'est comme si ce serait 400%. L'ennemi in low. Moi plus l'ennemi. En gros, c'est ça. Et on est sur le dernier combo aujourd'hui, hein, pour Noël. On va attaquer. Parce que c'est une tente d'attaquer. Mais...
Je vais mettre à pause pour. Bon, vous le verrez pas. Mais moi, je vais le. Mettre à pause pour l'enregistrement. Pour que ça soit trop long. Parce que ça peut être long. Que vous voyez. Puis ça va prendre un certain temps avant que je trouve un bon village. Et que mes sortes d'erreurs. Je fais une pause et je reviens. Installer. Bon, j'ai trouvé un village dont je vais m'essayer. Je dis bien m'essayer. À l'avoir. On sait bien, c'est pas garanti. Mais qui tente rien n'a rien. C'est simple. Voilà. Oh, j'ai des bonnes chances, ce squelette. Oh oui, je l'ai. Parfait. Attaquons par ici maintenant. Je vais même pas utiliser ni le roi ni la reine. Aucun des deux. C'est pas magnifique. Ça vaut la. Ça fait la peine d'avoir un PK. Voilà les barbares s'en occuper de rien. On fait juste du remplissage et voilà, c'est terminé. Un beau 6 trophées, une étoile. C'est parfait demain. C'est juste la défaite va être plus cher. Puis ça coûte cher. Il manquait des barbares, je ne sais pas pour quelle raison. Bizarre. Mais peu importe. Ouais, j'ai compensé et tout. C'était réglé. C'est fun de voir de ceci. Au maximum. C'est les deux seules troupes au maximum. D'ailleurs. Mais pour qu'est-ce qui est de sort, j'en ai quatre. Pour un total de 6 au total. Chose au maximum. Sans compter l'autre côté aussi que j'ai deux autres troupes. En plus les mêmes. Ben oui, les mêmes en plus. Ben oui. Oh, au moins ça finit bien la journée. Puis qu'est-ce que je vais faire là en ce moment, à l'instant même? Vous voyez ceci? Et voilà. L'autre. 1 million de chacun. Juste pour être correct. De toute façon, ça, je vais monter à 7 millions. J'ai encore le temps. J'ai 4 jours à monter. Ici, j'ai 2 jours à monter. Demain, il est prêt. Finalement. Finalement, demain, il est prêt. Tant mieux pour ça. Tant mieux. Pour ici, tout est correct. Ici, ça va. Demain aussi ça va être prêt, puis ceci dans 2 jours. C'est pas magnifique. Tout va bien. Pour ici, la stratégie que j'ai pris, finalement, je vais attendre d'améliorer un peu plus de choses, dont ceci, la tour de l'enfer. Je suis pas prêt, je me sens pas prêt pour l'hôtel de ville niveau 11. Je vais améliorer la tour de l'enfer. Par la suite, une fois. Avoir amélioré la tour de l'enfer. Je vais amélioré qu'est-ce qu'il est à 6 millions. Donc peut-être tous les canons puis tour d'archer. Mais les 7 millions en montant, je n'y toucherai pas. À moins que je le fasse comme ça.
Mais sinon, ça ne tente pas de toucher vraiment. Ouais. Sauf parce qu'il faut bien que je l'améliore un jour. On s'entend. Ça, c'est au maximum pour l'instant. Ça coûte quand même 10 millions, hein. Quand ça prend ça, il faudra améliorer ceci qui est à 2,5 millions. Ça coûte cher. Je peux tout accélérer si je veux en sort. Parce que avec l'or, j'ai pu obtenir des sorts. Et voilà, puis j'en ai deux. Je peux améliorer sans problème. Alors pour ça, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter ou encore aller visiter mon site internet dont le lien est sur le banner de ma chaîne YouTube. Et vous pouvez toujours aller sur mon serveur Discord dont tout le monde est le bienvenu. Puis avant de quitter, je vous souhaite un joyeux Noël. Puis nous allons se revoir la prochaine vidéo l'année prochaine en 2018. Et oui, c'était la dernière de l'année. Alors je vous dis bonne journée, bonne soirée. On se retrouve pour la première vidéo de l'année 2018. Je vous dis pas c'est quoi. Puis même si vous regardez ce site internet, ça vous dit à peu près, mais je l'ai pas mis à jour encore. Puis je vais pas le mettre à jour tout de suite. Parce que ça me tente pas. Parce que c'est Noël, c'est fête, c'est les vacances. Je vais peut-être faire du montage pendant les vacances. On s'entend, mais en général, je vais prendre des vacances. Des bonnes vacances. C'est pour ça que il va y avoir un certain délai. Alors pour ça, je vous dis merci à tous.